Tu vas nous faire à déjeuner. Ben non, j'ai acheté tout ça pour Pascal. C'est qui ce gars-là? C'est pas un gars. C'est pas un gars? C'est qui? C'est une youtubeuse. Ouais, mais ben franchement, là, moi Pascal, je m'en fous, là, c'est moi qui ai faim, man. Tac, et voilà, magie! C'est tout moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait déjeuner. Fuck! Ça m'invite pour que je vienne faire ma bouffe. Ben, c'est un peu ça, en fait. Merci. Merci, Pascal. Mais au moins, c'est moi qui ai payé. Brunch time! Fait qu'on commence le service avec un petit kombucha. Un persil. Il est gros, hein, tabarnak. T'as déjà goûté ce savon-là? Une patate? On va lui donner un petit tofu. Il a bien aimé. Fait qu'aujourd'hui, la gang, je sais pas si vous aviez constaté, qui est... On fait qui un... Es-tu? Ah, Pascal. Puis, je me suis dit, crème, aujourd'hui, j'invite Pascal, on va se faire un petit déjeuner, un petit brunch, on va manger ça devant vous. Ouais. Puis, on va jouer à We Are Not Really Stranger. Mais il y a quand même des questions, genre, tu sais, ça pousse à la conversation profonde. Puis, ça, c'est qu'on se connaît, mais peut-être pas autant profond que ça. Tu sais, level 3, c'est genre, parle-moi de tes traumas d'enfance, puis t'es comme... Je voudrais tout savoir, s'il vous plaît. À chaque fois qu'on fait des vidéos, on fait plus des vidéos humoristiques parce qu'on aime pas niaiser. Mais c'est ça, j'étais comme curieuse, je me suis dit comme faut qu'on apprenne à se connaître. Peut-être qu'il est deep dans sa vie, en fait. Commence avec la petite toast. Oui, on a des petites toasts à l'avocat. Mmh. On fait un petit brunch vegan. Tu me sens en plus? Oui. Non, hein. Quand j'étais allée à l'épicerie, j'étais allée à la caisse libre-service, genre. Puis là, j'écris patate. Puis là, il y en a pas. Y a juste patate douce. Je suis comme, ben voyons, c'est quoi, ça pourrait comment ça pourrait s'appeler des patates à porte patate. Je suis comme, j'ai aucune calice idée. Pomme de terre! Chiant. Ouais, c'est ça. J'ai déjà travaillé à l'épicerie, là. C'est ça, ça me faisait pas tant chier. T'es comme, c'est un céleri rave. Ah, tabarnak. Bah après, quand tu sors de travailler de l'épicerie, t'as une bonne connaissance avec les légumes. C'était pas la meilleure job que j'ai eue. C'est quoi ta job préférée que t'as eue? Finalement, on joue jamais à We Are Not Really Stranger, on fait juste parler tout le long, genre. Ma job préférée, c'est maintenant, est-ce-tu? Oh ben! Yeah! Ben, je comprends. Living the dream. Ah oui, c'est fou le fun. C'est quand même cool que tu commences aussi jeune aussi, là. Hé, mais toi, là, dans ma tête, ça faisait genre 10 ans que t'étais sur YouTube, mais fuck all! Pas vrai. Tu me pensais dans la vieille génération, genre? Les vieux de la vieille, mettons. Comme 10 ans. Ouais, c'est parce que t'as monté tellement vite. Ouais, ça s'est quand même fait rapidement. Que j'étais genre. Ça fait longtemps, je sais pas. Ben, ça fait comme 4 ans, mettons. Mais ça fait pas comme Lisande, pis. Non, non, eux autres sont là. S'ils avaient 13 ans, ils faisaient des vidéos. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça serait le cadeau parfait pour moi? Ah! C'est moi qui dois répondre, hein? Ouais. Qu'est-ce que je pense qui serait ton cadeau préféré? J'ai l'impression que je m'enlignerais pas vers du matériel. Je pense que ton cadeau préféré, ça serait une attention. Oui! Oh my god, ok. Je dirais comme ça que quelqu'un t'organise une full de belle soirée, mettons une surprise, genre t'amène dans un full de bon restaurant. Ou comme, j'ai le feeling que, tu sais, si on dit coup de tête, on s'en va genre à quelque part en voyage, quelque chose comme ça, ça serait vraiment ton genre. Oui, vraiment. Moi, là, je suis vraiment pas dure à faire plaisir. Non, vraiment pas. Ouais? Genre, mettons que dans ma fête, là, je sais que c'est vraiment con, là, mais quelqu'un qui prend le temps de m'écrire un message, genre une carte ou whatever, là, qui a vraiment pris le temps d'écrire. Ok, ouais, je comprends. Ça me fait vraiment brailler. Quand on était jeunes, on était comme, y'a-tu de l'argent? Ben c'est ça! On s'en connaissait de la carte! Mais non, ça me fait vraiment plaisir. Ça ou genre, je sais pas, moi, mettons quelqu'un là, qui va développer des photos. Oui! Tu sais, des trucs plus qui de même. Qui va prendre le temps de faire quelque chose de plus personnalisé. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. 100%. Si jamais vous regardez la vidéo, vous savez quoi m'offrir. C'est sa fête cool bientôt en plus. Le 16 avril. Mon chien, c'est le 14 avril. On pourrait fêter vos fêtes ensemble. Oh my god! Ok, fait que c'est à moi? Ouais. Est-ce que je suis dans tes jambes? Non. How do your personality complete? Ah, comment que nos personnalités se complètent? Oh my god, ça t'a de répondre. Je crois qu'on a quand même un sens de l'humour similaire, tu sais. Ouais. L'autre va finir la phrase de l'autre, il faut rajouter une joke par-dessus. Ouais. Fait que c'est comme endless joke. Ça ne finit pas. Ça finit jamais. Mais je pense que pourquoi j'ai autant vibé avec toi, puis j'avais envie de te découvrir. Mettons, tu sais, ça fait quand même pas longtemps que tu fais des réseaux sociaux, YouTube and shit. Il y a des gens que ça paraît qu'ils veulent juste avoir des abonnés, puis que c'est comme, c'est pas nécessairement leur vraie personnalité, puis t'es comme, ah, ben non, ça me tente pas. Genre, je dis ça, mais j'ai une personne en tête. je peux pas la dire. Oh my god, on se l'a dit en privé. C'est qui à qui tu Je te crois pas. Les deux, ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est pas mal ce que t'as en vrai, tu sais. Tu m'inspirais une bonne vibe, genre. C'est comme quelqu'un qui se prend pas au sérieux. Y a rien qui gosse plus que quelqu'un qui est comme, ah, oh, c'est que ça paraît, là, que genre, t'as raison sur les réseaux sociaux. Puis je trouve que avant, c'était moins obvious, mettons, parce qu'on pensait pas qu'on pouvait vivre de nos réseaux sociaux, genre. Fait que, tu sais, les gens sur les réseaux sociaux faisaient vraiment plus pour le fun, j'ai l'impression. Tandis que maintenant, tout le monde rêve, ben pas tout le monde, mais y a quand même beaucoup de monde qui rêverait d'être youtubeur, créateur de contenu. Fait que, les raisons sont peut-être pas nécessairement bonnes, puis ça paraît, je trouve. Mais moi, l'affaire aussi, c'est que je me suis ramassée sur les réseaux sociaux un peu par. C'est pas tant voulu, là.
en fait. Ah ouais? Moi, c'était plus genre, je trouvais que mes TikTok étaient drôles, ma meilleure amie aussi, fait qu'on était comme, ah, on va rire à deux, puis finalement, c'était comme, on va rire à 300 000. J'étais comme, jamais je vais être influenceuse. C'est trop la honte. T'as déjà dit ça? Ouais. C'est la honte! Mais j'étais genre, je sais pas, c'est moi, je voyais. Mais moi, maintenant, c'est ma job. Ouais, c'est part of the game. Elle dit ça, est-ce genre, à quelqu'un qui vit de ça, puis elle-même, elle vit de ça? Ben non, mais ça, c'est... Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés alentour de ça. De commencer avec TikTok, puis TikTok, c'est quand même plus facile, plus rapide, genre. Ouais, ben l'algorithme était bon parce qu'au début, il y avait personne au Québec là qui faisait. Mm-hmm. Il n'y avait pas de TikToker. Moi, Zoé, mm-hmm. tu sais, on est pas mal dans la première vague, genre. Mm-hmm. En ce moment, j'avouerais que j'aime plus TikTok qu'Instagram. Je n'arrête pas de te voir dans ma For You page. T'aimes ça, moi? J'adore, j'aime. Oh my god. Autant que j'aimais, genre, passer du temps dessus, ouais. qu'en tant que créatrice de contenu, j'avais l'impression de retourner un peu en arrière. Et au final, genre, je me rends compte que, comme, tu sais, j'ai jamais été une fille qui aimait tant ça, genre, prendre des belles photos, puis mettre des belles photos de moi, puis tu sais, j'ai tout le temps été plus dans l'humour. C'est... Ben, c'est ça, c'est vraiment avoir pour l'humour. Et ben, tout. C'est ça. Fait que j'étais comme, pourquoi j'aime pas ça? Chris, c'est tellement plus simple de mettre ma personnalité de l'avant dans un petit Reels ou dans un petit TikTok que, genre, dans une photo. C'est ça. Fait que là, en ce moment, j'avouerais que c'est comme l'effet contraire. Genre, j'arrête pas de poster des Reels et TikTok, mais genre, ça fait, je sais pas combien de temps j'ai pas posté une photo de moi, puis je suis comme un peu malaisée, genre. En fait, c'est comme tout ou rien, là. Mais moi, en plus, parce que j'ai jamais dit mon âge, tu sais, sur les réseaux sociaux. J'ai jamais dit. Mais. 13 ans et demi. Represent. Je suis quand même le bébé de la gang, tu sais. 100%. Fait que moi, toi, là, mm-hmm. j'étais fucking femme, là, tu comprends? Ta gueule, là. Genre, toutes les youtubeurs, là, je vous ai vu étant plus jeune, pis j'étais mm-hmm. genre, waouh. Fait que quand je suis arrivée dans ce monde-là, j'étais là. Ah, c'est tellement nice. Tu sais, là, je suis dans le salon à Cassandra Bouchard. Tu sais, si je me disais. Dans mon bureau, ma belle. Dans mon dans bureau. Utilisant les bons mots. Sorry, dans cette nouvelle maison. Non, mais tu sais, si je m'étais dit ça il y a genre 3 ans, mettons, je serais comme. What? Ah, c'est bien cool, ok. Fait que ouais. tu suivais quand même ça. Ben ouais, ouais, c'est okay. ça. Mais oh. je m'attendais pas à ça. Fait que c'est pour ça qu'on dirait que quand je suis arrivée dans le monde, je pense que ce qui fait que je suis vraiment attentive, c'est juste que je m'attendais pas à être là. Je suis juste comme. Mm-hmm. Je suis quand je chante encore pas, je suis juste comme. Ah ouais? Je fais des vidéos pis c'est drôle. Mais je pense que c'est peut-être ça qui fait en sorte que les gens t'aiment autant parce que tu te prends pas au sérieux, mais au-delà de ça, c'est comme. Tu sais, des gens qui, avec la popularité, ça leur monte un peu la tête. Une belle gang au Québec, genre. Tu sais, les gros ouais, c'est vrai. Mm-hmm. Je vois les shit aux États-Unis, genre les gros dramas pis ils se bêtent tellement toutes, là. Mais ici, tu sais, pas mal tout le monde est ami, tu sais, genre. Of course, comme dans tous les milieux. Mettons, moi, il y a des créateurs de contenu que j'estime. Pas que j'estime moins, mais que nos personnalités fit juste moins. Mm-hmm. Mais tu sais, je vais pas être là en train de bitcher cette personne-là à gauche, à droite, là. Tu sais, juste, ça me rend indifférente pis d'attitude. Quoi, about moi, t'as surpris. C'est quoi? C'est ça, hein? What about me most surprise you? Mm-hmm. Ben, en fait, je regarde depuis que j'ai 10 ans sur les réseaux sociaux, puis j'étais certaine que comme t'étais comme ça, puis finalement, je me rends compte que t'étais une petite bitch. Non, justement, ça, c'est pas mal pareil. T'es la même bitch que sur YouTube. C'est ça. Mais je crois que t'es plus calme que qu'est-ce que je pensais que t'allais être. Ah ouais? Ouais. Bien dit. Ben, en vrai, ça dépend des circonstances. Tu sais, comme, quand on s'est vu, ben là, on n'a pas eu l'occasion vraiment d'être dans des événements pis tout ensemble. Je pensais que t'allais avoir le piton plus collé, genre. Ouais, je comprends. Comment tu me décrirais à un étranger? À un étranger? Ouais. Oh my god. Je trouve que t'es full pétillante, full drôle, t'as de l'entre-gens, je trouve aussi. Je trouve que t'es comme un peu maladroite, mais sans être. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ben, c'est vrai que j'ai fait des petits gaffes. Mais c'en est cute, genre. Ça fait mon charme. Voilà. Tu es maladroite comment, genre? Je suis impolie, genre. Comme... Tu dis un peu tout ce que tu penses, puis des fois, t'es comme, ah! Oh, j'aurais peut-être pas dit. Je l'ai dit, ça, en fait. Tu comprends, mais tu sais, c'est juste drôle. C'est jamais comme fucking déplacé ou genre fucking malaisant, mais tu sais, c'est fucking. T'as un exemple? Comme... Ben là, maintenant qu'on écoute tes vidéos, des fois, tu dis des affaires, je suis comme, oh! Elle a dit ça! Comme, oh my god, elle l'a laissé! Je suis genre, elle est tellement game! Comme quoi? Ben, comme justement, l'affaire que tu disais à un youtubeur que t'aimais pas, une créatrice de contenu. Ça, je suis comme, ok, elle est game, là, quand même, là. Mais je pense que tout se dit, mais faut que tu le dises avec respect, là, tu sais. Ben oui. Ça, c'est ta manière de dire que c'est. Ça, c'est ton truc respectueux. Ça, c'est respectueux! Est-ce que j'adore? C'est bon. Ah, de me faire ramasser pour ça. Mais oui, il faut. Premier scandale, Pascal. Non, mais c'est. Est-ce que j'ai fait un scandale? Non, je pense pas. Non! Peut-être que c'est déjà fait scandale. Ah, ben oui. Ah, ben oui. Ça va venir. Tout le monde fait scandale un jour. Vous m'êtes préparé, mentalement. Puis toi, comment t'étais préparé mentalement? Ben, c'est pas la première fois que ça m'arrivait. C'était quoi tes autres scandales? Premier scandale, c'est quand que j'ai décidé de faire une vidéo YouTube pour dire que j'ai trompé mon chum. Mon ex, elle habite avec, genre. Qu'on est envoyés ensemble. Ça a fait un bon scandale. Mais pourquoi t'as fait ça? Je sais pas.
Parce que je dis tellement tout sur YouTube, fait que je me sentais fucking mal de juste dire que moi pis mon chum c'est fini, mais comme... Mais Cédric a dit quoi à la vidéo? Cédric était comme, tu sais, quand tu fais ce que tu veux, je te respecte, mais il était comme, je pense pas que ce soit une tant bonne idée. T'es comme, tu sais, je pense que ça va te faire haïr. J'étais genre, non mais faut vraiment que je le dise là, sinon je suis comme pas genre honnête pis comme je me sens trop pas bien. On dirait que moi j'ai dans la tête que comme tout se sait, genre. On dirait que je voyais la situation venir que comme encore pire, tu sais, je l'ai pas dit, je l'ai pas assumé pis là genre, ça sort en rumeur, genre, oh my god, Cass a trompé son ex, genre pis blablabla pis là la grosse affaire pis j'étais comme, non, je préfère juste le dire moi-même. C'est ça qui est grave. Moi j'ai fait une vidéo sur ma rupture. Ouais. Pis ça faisait pas tant longtemps, tu sais, que j'étais plus avec, mais fallait que je le dise parce que les gens, même si j'ai jamais montré leur face à mon ex, j'ai jamais dit son nom. Après ça, je vois plus de photos avec. Est-ce que t'es encore en couple? Non, t'as pas le choix de le dire. Puis les gens sont tellement curieux, là. Ça, tu peux pas juste dire je ne suis plus avec parce que les gens, ils en demandent, ils en demandent, ils en demandent. Ouais. Puis là, je fais une vidéo. Là, tu sais, c'est ressorti de ah, t'as fait ça trop tôt, t'as fait. Mais j'ai pas le choix. J'avoue que, tu sais, ça t'a quand même fait du bien de dire la vérité, tu sais. Ben, ça me fait parce du bien. Parce que t'aurais juste, t'aurais pu, comme moi, juste dire que moi et mon ex, on est plus ensemble, puis d'attitude, ça ne regarde pas, tu sais. Mais non, ça m'a fait du bien, puis de le mettre en mots aussi. Mm-hmm. De le dire aux gens, genre, juste de mettre un terme à ça, parce que sinon, tu sais, si les gens ils pensent encore que t'es en couple pendant fucking longtemps, on dirait que ta relation, tu peux pas tourner la page totalement, tu sais. Ouais, tout le monde... tu vas en date, pis y a des abonnés qui te voient, pis ils sont comme... Ben c'est ça, c'est lui! Fait qu'il fallait vraiment que je ferme le chapitre, j'ai l'impression. Mm-hmm. Ben oui, 100%. Mais là, je veux pas juste changer de chapitre, je veux changer de livre au complet. Je veux le brûler! Mon Dieu! Les grosses questions, là, je suis comme, qu'est-ce qui t'a surprise de moi? Pis là, c'est, qu'est-ce que tu admires chez moi? Mais ce que j'admire chez toi, je dirais ta transparence, là. Ah ouais? Ça, c'est vraiment top. Ça, c'est top! Top. C'est bien gentil. Tu sais, je trouve que tu sais, moi, comme je te dis, j'étais bien fan. Fait que, tu sais, ça fait un bout, là, que je te regarde, puis je trouve que t'évolues vraiment, tu sais, tu grandis dans comment, genre... Juste dans tes conversations que t'as, dans les vidéos que tu fais, que t'as l'air de bien grandir, tu sais, de faire des bonnes introspections, d'apprendre. C'est bien fin. Ouais, je suis comme ça. T'as l'air de bien grandir. Non, mais c'est le fun. Parce que je pense que quand on crée du contenu, on est comme tellement dedans dans l'instant qu'on oublie, genre, on réalise pas tout le travail qu'on fait ou qu'on a fait évoluer, mettons, au niveau montage, au niveau shit. Ouais, mais comme de ma personne, tu sais, pour moi, je suis comme, ah, ben, c'est la même affaire, tu sais. Ouais, mais check comme... les vidéos, mettons. Tu sais, moi, mettons, même, j'ai commencé YouTube il y a comme un an, quelques mois, là. Mm-hmm. Tu sais, même les premières vidéos, je suis comme, hey, je suis de même, genre. Ouais. Mais tu sais, juste une évolution d'un an, là, c'est déjà beaucoup, là. Ouais, c'est fou. Genre, tu sais, il y a comme 1-2 ans, on était en pleine pandémie, genre, pis comme, je sais pas, la pandémie, ça nous a tellement fait grandir vite, là. Ben oui. Genre, moi, là, j'étais laissée à moi-même, là, j'étais comme, j'ai rien d'autre à faire que de penser à comment, genre, telle affaire, je le fais pas correct, telle affaire, ça, c'était des montagnes russes, là, ça passait de genre mental breakdown à genre je glow, à genre je m'haïs, à genre... Ben oui, c'était fucking ça, la pandémie, on va dire les choses. Mais ça m'a vraiment fait grandir, moi, personnellement, là, je pense vraiment que j'en avais besoin. Mais surtout que c'était quand même une période vraiment significative dans ta vie, là, un âge significatif, là. 11 plus... ans, c'est... 11 à 12! C'était une grosse période! Non, mais moi, ça faisait pas longtemps que j'étais sortie de l'hôpital, je sortais pour l'anorexie, tu sais, j'avais été hospitalisée. Ah oui, je savais pas. Ah, avec la pandémie, il y avait plus de médecins dispo pour ça, tu sais. Fait qu'ils m'ont juste pitché, genre, vas-y, genre, t'es laissé à toi-même. Pour puis, vrai? J'étais vraiment dans le genre, ok, là, j'ai rien d'autre à faire que de me checker dans le miroir, genre, à chaque jour, puis de m'haïr, puis de. Tu sais, ça a vraiment été. Genre, ça va vraiment mal. À comme là, j'ai commencé les réseaux sociaux, puis à voir que, tu sais, les gens, ils appréciaient comment j'étais naturellement, tu sais, à être moins dans le sujet. Ils t'aimaient au-delà, c'est ça, ils t'aiment pas pour ton physique, les gens, ils t'aiment pour ta personnalité. J'ai laissé une relation full toxique, je commençais à, genre, créer du contenu, fait que ça a vraiment été beaucoup d'affaires en même temps. J'étais comme, ok, là, on se prend en main. Et tu te sens comment aujourd'hui, mettons? Là, en ce moment, ça va vraiment mieux. On dirait que ça avait fait le déclic dans ma tête. De comme, je fais tellement ça pour être belle, ou pour avoir le contrôle, ou pour quand je peux me trouver belle avec les vêtements que j'achète, avec le maquillage que je me fais, en me tenant avec des personnes qui me font sentir bien, ben en oui. trouvant ma validation ailleurs que là-dedans, puis en contrôlant autre chose. Puis tu sais, j'étais tellement dans une mauvaise relation que de lâcher ça aussi, ça m'a tellement enlevé un poids. C'était quelqu'un qui me dénigrait à chaque jour, tu sais. Puis là, j'ai parti des réseaux sociaux, qui était une job que j'adorais, que tu sais, si j'avais comme un objectif autre que d'être meg comme un gourmand. Tu voyais que t'étais tellement plus que ça, anyway, t'étais tellement plus que ton poids dans la vie ou ton image ou que... C'était beaucoup de thérapie! Ben oui, c'est sûr. Je trouve que c'est des belles réalisations pour vrai, vraiment.
Ouais, ben c'est ça, c'est la thérapie qu'il faut pas manger. D'ailleurs, je suis encore en thérapie. Mais je pense que comme moi, dans mon époque, quand j'étais jeune, c'était tellement pas mis de l'avant de prendre soin de sa santé mentale. Puis comme, si t'allais voir un psy, c'était ben, pas nécessairement mal vu, mais... Et moi non plus, c'était pas... Tu sais, ma mère était comme, parle pas de ça à l'école. Maintenant, j'en parle, puis genre, je m'en ben, fous, oui. Tu sais, de dire que j'ai un psy, mais tu sais... C'est justement en parlant, que puis en rendant ça accessible, que ça. Les gens vont être comme, hey, dans le fond, ça me tente, là, tu sais, je me réalise que ouais. Ça me ferait peut-être du bien, tu sais, puis j'ai pas honte de le dire que j'ai besoin d'aide. Non, t'sais. Mais c'est tellement le plus beau self-care, tu sais, tu peux faire des self-care de genre... Pour ton corps et tout, mais pour ta tête. Ah, mais t'as tellement raison. Moi, je réalise que, je pense, dans ma tête, j'ai vraiment associé self-care à genre, mettons, se faire un petit masque ou genre, tu sais, ce genre de truc-là. Puis comme, oui, c'est un self-care, mais comme, ouais. Je me rends compte que ça va tellement au-delà de ce que j'ai toujours cru. Comme, mettons, là, en ce moment, je prends un cours de peinture. Puis comme, pour moi, je le prends ça, comme c'est un self-care. Mais ouais. Oui. Genre, tu prends soin de toi, mais ouais. À l'intérieur de oui, toi. Oui, c'est de m'offrir ce temps-là juste pour moi où est-ce que je suis, genre, complètement déconnectée, toute sauf. Moi, en fait. Non, c'est ça, mais ouais. De le voir de même, là, de faire une thérapie, ça change vraiment la perspective. Tu sais, moi, je vais là, puis je raconte, mettons, telle affaire, puis comment, ben, t'as agi de même à cause de tel événement que c'est déjà produit dans ta vie, ou à cause de... Tu te déresponsabilises un peu de choses que... Ben, t'arrives que tu te mettais sur les épaules, tu sais. C'est comme... ça, tu sais, j'ai compris pourquoi, mettons, j'ai été anorexique, j'ai compris mm-hmm. pourquoi j'ai eu beaucoup de tocs, j'ai compris... Puis, tu sais, à comprendre pourquoi t'as agi de même, mm-hmm. j'ai souvent essayé de comprendre, mettons, essayé d'arrêter mon anorexie, essayer ouais. d'arrêter mon TOC, essayer d'arrêter mon anxiété, mais il y a un noyau, genre, là-dedans, mm-hmm. qui fait en sorte que tu passes ces shit-là. Ben c'est ça qu'il faut que tu règles. Creuser là, genre, et non pas... C'est ça, tu sais, tu peux pas regarder sur Internet quand tu fais de l'anxiété, va prendre un bon bain chaud, mais ça va pas régler tes traumas d'enfance, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, ça va revenir, on s'entend. Ben, c'est sur le coup, t'arrives à comme, ben, te c'est calmer, ça va moi, revenir. J'avais comme 6-7 ans, j'avais vraiment des gros TOC, là, sévères, là, comme j'avais de la misère à vivre, là, à cause que j'étais tout le temps genre dans des obsessions puis dans des genre ok si je touche pas six fois le coussin ma mère va mourir pis c'est de ma faute genre. Ah ok genre des choses genre-là. Après ça j'ai réglé ça là, après ça l'anorexie là après tu sais mm-hmm. c'est tout le temps c'est des différents c'est ça tout le temps genre. C'est ça parce ouais. que j'avais quand même besoin de contrôle sur quelque mm-hmm. chose c'est quelqu'un qui t'aide à aller creuser puis donner comme, des okay, outils qu'est-ce qui se passe ouais. tu sais puis des fois mettons je le sais que je sais pas mettons je me chicane avec quelqu'un puis là je me sens vraiment poche tu sais là je vais être comme ok je vais sauter un repas tu sais juste juste pour avoir le contrôle sur quelque chose. Ouais. Puis ça, mettons, c'est un comportement de merde que je suis comme là, faut pas que je fasse ça. T'sais, je le comprends pourquoi ouais. je fais telle affaire. T'sais. Juste de comprendre comment ton ouais. corps il réagit. Ben oui, full. Puis juste d'être consciente réagit. Que c'est pas bon pour toi que t'aies ces pensées-là. Non, c'est sûr c'est que quand ça. Là, mettons, tu te dirais comme ah, ok, j'ai fait ça, je vais sauter mon repas. Mais c'est mettons... sûr qu'il y a quand même une petite pensée dans ta tête qui va faire comme ben non, Pascal, c'est pas une bonne idée de sauter ton c'est repas. Ça, t'sais. T'sais. Mais quand tu sais que c'est ça, tu peux faire ok, non. Là, ouais. je mérite quand même de manger, puis ça va se régler plus tard. Puis non, non, non. Ouais. Mais pour vraiment comme. Puis tu mérites pas de te punir, de d'aucune manière. C'est des affaires de même que quand tu comprends, t'es comme ah. C'est comme si tu t'en vas te chiller avec une amie, genre. Ouais. Mais une amie que tu payes pis que tu peux vraiment te confier pis que tu te sens pas mal, genre, de prendre son temps. 100$ de l'heure. Ouais, une amie qui est comme... Mais c'est une amie de luxe. C'est quoi déjà la question? Pourquoi on est rendu là? Je comprends pas. Bon, fait qu'on a fini. On est pleine. On va chier des bons temps. Quoi que, il reste une couple de petits parents. Non, c'est vrai. Si personne n'est prêt. Si personne. Non, faut y aller. Je fais pas vraiment ce genre de concept vidéo-là sur ma chaîne YouTube, mais j'ai bien apprécié. J'ai pas l'impression qu'on a tourné une vidéo. J'ai l'impression qu'on s'est juste. Je t'ai invité à déjeuner. On s'est juste filmé en mangeant. C'est ça. Écrivez dans les commentaires si vous avez aimé ça. C'était comme plus raw. Puis plus. Mais plus de bouffe, hein, parce que. Mais on a de la bouffe. Tiens, je te laisse. Ben, c'est ça, t'as rien à me dire. T'as rien à manger toutes les patates, t'as oui, j'ai mangé les champignons. Ok, mais continue ma conclusion pendant que je mange. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. Vous pourrez la revoir la semaine prochaine. Vous pouvez la revoir. Vous allez pouvoir la réécouter la semaine prochaine. Non, la revoir. Toi, te revoir la semaine prochaine sur ta propre chaîne. Dans ta vidéo de la semaine prochaine. Ça, c'est vrai. Ciao! Je viens de me mordre, là. J'ai une petite. Un peu. Hey, j'ai déjà envie de chier, c'est même pas une joke. C'est rapide, hein, quand même. C'est rapide, moi. Toi? Ça faisait comme 5 jours que j'avais pas chié. Je commençais à avoir mon mal au ventre. Ça m'arrive jamais, les affaires de même. 5 jours. J'ai chié hier. T'as pas peur? Ben, des fois, c'est un peu étonnant.